Dieu va réaliser le rêve, le désir que bon Dieu t'a gagné pour que tu habites, pour que tu rentres en relation avec l'homme. Non, bon Dieu va réaliser le rêve là. Et c'est ça que fait mon y a depuis lors. Bon Dieu, chaque monde qui reçoit, il va faire un appel ça. Il va dire le temple où il habite, c'est l'église. C'est ça que fait depuis où on accepte Jésus. Il n'y a pas qu'à croire nous rassembler le marché, parce que nous sommes dans la question, il n'y a pas beaucoup de marché à l'exécuter. Donc, dès que nous acceptons Jésus, il faut que nous compte le marché. Est-ce qu'on a même raison de faire que nous comptons pour collaborer avec des frères? Parce que depuis le fin d'accepter Jésus, il vient tourner une demeure pour le Seigneur. Il vient tourner un temple pour Dieu. Dieu a vivre dans lui par l'esprit. Si on t'a suivi le son et qu'on dit, parce que nous avons fait matin, mais t'es montré que. Lorsque bon Dieu a créé, bon Dieu est comme si nous t'a dit, alors on ne parle pas de votre problème, on parle de Dieu, mais comme si c'était des vagues de vérité. Que la lumière soit, la lumière fille, que la terre paraît, la terre paraît, que le ciel paraît, que les pieds bois qui va manger, que poisson paraît, et puis on paraît. Mais l'arrivée sous l'homme, c'est comme si on t'a dit que bon Dieu a un intérêt spécial. Est-ce qu'on a rien? Il descend qui te demeure, il vient prendre terre propre, mais est-ce qu'on a même? La Bible pas dit qu'on était grand, est-ce qu'on a même? La Bible seulement dit bon Dieu prend terre, il faut masse et forme, est-ce qu'on a même? Et bon Dieu a tout amour, a patience, ça veut me sentir, tout ça bon Dieu créé, il y a un livre fait, il y a un livre, mais la Bible est sur l'homme, il prend temps, il prend patience, bon Dieu fait nous avec un pile. Amour, avec un pile d'intérêt. Pourquoi ça fait mon Dieu tout le temps ça qui est raison? C'est parce que Dieu n'a plan il a gagné pour le vivre sur la terre. Est-ce qu'on a même? C'est vrai, il connaît l'homme, il connaît ce que l'homme a fait caille, il a fait belle caille, mais il n'a pas habité dans la caille que même nous fait. C'est ça qui fait lui-même, il prend sang, il prend temps, il fait caille pour l'habiter. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes en train de me laver. Je veux connaître que ou que valeur pour mon Dieu. Moi je veux connaître que ou que prix pour mon Dieu. Des fois nous vivons avec une négligence. Des fois nous faisons péché pour grand merci parce que nous avons une valeur que nous gagnons. Moi je veux à partir de matin vous connaître que ou cher pour mon Dieu. Mon Dieu prend 100 livres avec une pile amour. Même si on ne peut pas comprendre nous, même si on a des pas vrai, ou pas besoin d'inquiéter, parce qu'on a une valeur, on a un prix aux yeux de Dieu. Et ça fait lorsque mon Dieu a parlé avec le peuple Israël, la petite peuple là, puisque tu es honoré et que je t'aime, est-ce qu'on l'a même? Donc, vous êtes honoré et Dieu t'aime. À qui ça a comparé l'amour de Dieu? L'amour de Dieu n'est pas comparé avec rien, avec personne. Alors que des fois, nous quittons nous attristés parce que une tierce personne ne parle pas de nous. Parce que un tel ne comprend pas nous. Des fois, nous quittons nous aller bien loin. Alors que nous avons étendu l'amour original qui n'est pas mélangé. Qui non seulement rêve nous, qui cherche nous, qui débat une vie pour nous. Donc, Dieu te prend sang pour le faire. C'est parce que pour Dieu, il va faire des grâces pour le dire. Moi, je ne peux pas habiter dans le cas où je fais avec l'homme. Et c'est ça qui fait le dépens seul pour le faire. Et on s'en est suivi à Haïti dans les cas sociaux de Haïti. Ou habiter dans le cas qui ne fait pas avec l'homme. Ou habiter dans le cas qui a marché. Ou qui a porté grandeur. Ou qui a porté splendeur. Ou pas qui est égaré. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de grandeur, mon Dieu. Donc chaque fois où est l'homme, où est l'image de Dieu, et là où rencontrer à tout l'homme qui est l'esprit, mon Dieu, où rencontrer à mon Dieu même, parce que mon Dieu demeure dans le monde par son esprit. Donc c'est ça que fait, puisque nous avons une valeur, mon Dieu, puisque mon Dieu aime nous, la Bible dit, le temple où Dieu habite, c'est son église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants. Mais nous connaissons que Dieu est au milieu de nous. Et selon la déclaration, Dieu lui dit, depuis deux et trois mondes finis, même côté de nous, moi là pour me bénir et pour me sanctifier. Et mon Dieu fait déclaration ça pour chaque monde qui accepte. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à
épaules. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ça va faire, le Seigneur est avec toi parce que vous êtes l'habitation de Dieu, parce que vous êtes la maison de Dieu. Mais ça que vous voulez reconnaître, la Bible montre que Dieu habitait dans l'église, Dieu habitait dans l'assemblée des croyants. Moi, je voulais que nous connaissions, nous, chaque en particulier, nous sommes une maison pour Dieu. Et le message que je vais faire, nous démontrons en tant que maison de Dieu, finalité ou bien objectif où, c'est pour glorifier, c'est pour adorer, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça que la qualité de maison de Dieu, ou gagner pour devoir, là où mon côté, vous dites Seigneur, puisque je suis ta maison, même moi, je vais vous cet canal, faire gloire ou manifester, faire briller ou même au travers moi-même, parce que mon Dieu a une raison qui est déterminée. Il fait ou même frère, ou même soeur, ou c'est habitation Dieu. Et c'est ça que fait les trucs que nous fait. Mon Dieu a parlé, vous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non, et Corinthiens chapitre 1, en 3, verset 16. Est-ce que nous ne savons pas que nous sommes temple que mon Dieu habite? Nous, chaque particulier, nous sommes temple pour Dieu. Vous connaissez ça, réfléchir à l'arrière, pendant que on a un problème, nous ne pouvons pas assembler ensemble. Moi, oui, mon Dieu, des bonnes raisons, fait nous chaque son temple particulier. C'est parce que mon Dieu connaît après des jours, après des temps, après des heures qui viennent, nous ne pouvons pas assembler ensemble. Bien, même petit nous ça, qui est temps qui viennent, même là, quand on va cacher la part de moi, petit pour la prière. Est-ce qu'on a vu? Mais lumière non ou à. Est-ce qu'on a vu? L'esprit non ou à tout le monde en connexion avec ton Dieu. C'est ça que fait, mais tu te l'as mardi. Nous t'as montré l'évidence de l'évangile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça que lorsque les filles instruites, les filles préparées, les disciples pour nous prêcher, les disciples nous aider là. Tout autant nous pas recevoir puissance non, puis qu'à nous aller. Et quand puissance non vient, et mes puissances non fait au cap des papiers, puissance non fait au cap travail, puissance non c'est évidence non qui fait au porter Jésus-Christ pour débattre le monde pour accepter. Et c'est ça que fait, lorsque nous avons dit, dans le chapitre 8, le verset 8, verset 9, la Bible montrait tout le monde qui est la demeure de Dieu, il n'a pas fonctionné selon la chair, il n'a pas vivre selon le propre tête, il n'a pas vivre selon l'homme livré à lui-même, mais à vivre selon les exigences de Dieu. Et la Bible a montré que le monde s'arrête, il y a l'esprit pour Dieu qui a dirigé. Et c'est ça qui fait quelque soit le monde qui attendait selon le verset 9, le chapitre 8. Depuis toutefois que l'Ibad est cet esprit bon Dieu qui donne des opérationnels sur la vie de Dieu, eh bien, l'Ibad appartient à Dieu. Mais bien aimé, vous êtes le temple de Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Mais un problème que l'Église gagne. L'Église a un problème de doute. L'Église a un problème de foi. Dès que vous arrivez le bord et que Dieu, bon Dieu, parlez, c'est quoi ça, mon Dieu dit, hein? Et puis appliquez ça, mon Dieu dit. Et comment c'est? 3, verset 16. Est-ce qu'on va prononcer ton bon Dieu? C'est ton bon Dieu, c'est fini. Oui, bah. Quelqu'un peut être honoré, le moins que vous devez mourir pour ça. Oui, je suis la demeure de Dieu. Mais vous y allez là, puisque vous êtes ton bon Dieu, nous devons en rien, l'homme c'est ton bon Dieu, comportement pour refléter de Dieu. Si c'est que vous voulez croire que c'est un bon Dieu, maintenant il y a des exigences que vous devez respecter. En tant que temps bon Dieu, vous devez fonctionner selon les exigences de Dieu. Dieu qui habite dans le monde, parce que dit à vous qu'il y a un écoïté, si c'est un homme, dit à l'autre que, est-ce qu'on ne peut pas connaître que quand c'est un bon Dieu, parce que mon Dieu habite par l'esprit, et que ou pas appartenir à un même corps, et que ou pas jouer, parce que c'est pour ça que les textes la Bible, et que vous n'appartenez point à vous-même. Maintenant, vous avez là, vous avez dit que nous sommes d'accord que nous sommes un bon Dieu. Chaque fois que nous sommes là, nous d'accord que nous sommes un bon Dieu, mais nous pas d'accord que nous pas appartenir avec nous. Nous pas d'accord que nous pas faire ça, nous voulons avec nous. Nous pas d'accord que nous pas faire ce que nous voulons. Nous pas d'accord que nous pas faire des bons comportements. Nous pas d'accord que nous pas faire des bons pensées, des bons sentiments. Parce que nous sommes comme si, c'est que nous d'accord que nous sommes un bon Dieu, mais nous d'accord que nous fonctionnons sur nous-mêmes. Ne vous y trompez pas, on ne se croit pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous, c'est Dieu le maître de sa maison. Donc,
c'est selon le fonctionnement mon Dieu, fonctionner dans le cadre mon Dieu. Maintenant, voyons, quand nous, c'est le temple de Dieu. Dieu habite dans sa maison. Maintenant, le vrai vous, donc vous me dites matin après moi, me dit, vrai ou même c'est pas corps. Vrai ou même c'est son rien qui est en dedans, tant mon Dieu, est-ce qu'on l'a même? Donc, c'est comme si vrai ou même à vivre la caille mon Dieu. C'est ça qu'il fait. Avant que Paul, avec Joseph et Philippe, vous dites, ayez-vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Donc, ou même quand on est la matinée, puisque on vit dans la caille mon Dieu, c'est pour gagner les sentiments de Dieu. C'est pour nous prier au petit Seigneur, moi livrer par où penser moi, moi livrer par où l'idée mieux, moi livrer par où l'esprit moi, moi livrer par où comportement moi, moi livrer par où tout ça bien, puisque c'est la caille où on va vivre, puisque c'est la possession moi, fais de moi son vrai mien, fais de vivre jour le mien, est-ce que la même, parce que la vie, c'est pas la vie moi, c'est mener mon côté où l'est. La vie moi c'est pour vous que lié et pas pour ça ou pas pour jambes qui ont vie et succès sur le plan spirituel tout en tant qu'on pas mais pour livrer au bas du Seigneur tout en tant qu'on pas d'accord que c'est vrai ou à vivre dans quoi et le quoi c'est top c'est caille mon Dieu lié et que vous même qui en dedans qu'à vivre non c'est en dedans la caille mon Dieu qu'à vivre si toutefois qu'on vous souffre ou pas sauver si vous pouvez vous convertir ou qu'à faire ça ou voulez ou qu'à faire réussir comme ça. Mais de pousser pour mon Dieu, ou pas capable de réussir, ou pas capable de vivre vivre Dieu sur le plan spirituel. C'est aussi chaque croyant individuellement. Chaque croyant individuellement, c'est une habitation pour Dieu. Ou même qu'à côté pour particulier, ou c'est habitation mon Dieu. Quel que soit à côté où il est, vous devez briller pour Jésus. Et on t'a dit, c'est pour briller même que Jésus t'a laissé sur la terre. Donc c'est pour briller pour Jésus parce que vous êtes une habitation de Dieu. Donc c'est pour connaître que vous êtes le temple de cet esprit qui est en vous et que vous êtes la demeure de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été lâché, vous avez été acheté à un grand prix. Et ça fait la petite devoir nous, c'est pour nous glorifier Dieu dans le commentaire de nous selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, la Bible dit, bon Dieu a acheté nous à un grand prix, donc c'est pour nous glorifier le Seigneur. Maintenant, tu as dit, est-ce que tu as osé, ou bien tu as imaginé que c'est le temple de Dieu? C'est pourtant ce que Dieu dit. Des fois, tu as imaginé, tu as posé des questions. Est-ce que tu as osé pour me dire que c'est le temple de Dieu? Est-ce que tu as osé pour me dire que c'est le temple de Dieu? Oui, c'est ça que la Bible dit. Où c'est le temple de Dieu? C'est là une immense dignité. Et ça fait matin, mon Seigneur te dit, est-ce que tu as dit fier parce que tu es chrétien? Oui, moi fier parce que moi c'est le temple de Dieu. Mais ça veut dire que moi, si ma dit ma chanter fier parce que c'est le temple de Dieu, mais si je ne pas marcher sur les selon la volonté, selon ça que Dieu veut exactement, c'est comme ça pour marcher. L'homme dit que c'est temple de mon Dieu, et même t'as dit, c'est une immense dignité, une sainte convocation, mais aussi, une responsabilité solennelle pour marcher selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, il est là pour lui aider nous, pour nous vivre réalité, tant pour Dieu qui existe en nous, pour lui faire nous glorifier tout le temps, pour lui faire nous adorer mon Dieu tout le temps. Parce que la Bible dit, ne parlez la taille mon Dieu, toute sa gloire qui est gloire. Ça t'avait dit, si c'est tant pour Dieu, c'est pour que moi, pensez moi, l'esprit moi, il t'aime mieux, tout doit crier tout le temps, gloire à mon Dieu ça. Mettre la vie moi, ou aller voir ça qui a régné sous que moi. Maintenant l'église, m'a encouragé pour prêter de mon Dieu. M'a encouragé pour connaître le temple de Dieu, où nous devons vivre la vie de Dieu, où nous devons faire ça, mon Dieu, m'a découvert. Moi pense que la vie chrétienne, c'est une vie, côté des chrétiens, on doit toujours chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, côté mon Dieu, je vais vous parler. Qui ça, mon Dieu, je vais vous parler. Comment mon Dieu, je vais vous vivre. Parce que ma
ça. C'est pas parce que Jésus est retourné la vie d'esprit monde sous marche. C'est pas que Jésus est retourné la vie d'esprit monde sous principe de la vie de Dieu. C'est la Bible qui est mandat ça. C'est ça qui fait chaque jour dans la Bible. Vous devez consulter la Bible pour que vous connaissiez comment vous marchez, comment vous vivre, comment vous faire la volonté de Dieu. En soutenant entièrement les actions et les fonctions de notre corps à Dieu, auquel il appartient entièrement, c'est pour action, c'est pour fonction, dans toute sa vie, c'est pour moi, ouais mon Dieu, dans toute sa vie, c'est pour me glorifier mon Dieu, dans la relation que je vis avec c'est pour me toujours à glorifier ou bien adorer mon Dieu. C'est comme si nous avons dit, quel que soit côté mon Dieu, pas à aller, même pas à aller parce que je côté mon Dieu dans moi. Ma fille avec qui ça se ça. La Bible parle de la nouvelle Manouache qui était dans cette petite. Lorsque je dans cette petite, ça, la Bible parle de lui pour le pape que. Et alors, le Saint-Esprit parle de lui dans cette Samson à l'époque, comme ça, pour moi, de lui, avant de lui la Manouache. Et bien, il était gagné pour le pape de lui que. Il conseille que les bagages de Pacaboué parce que la porte Samson comme une petite spéciale. La porte Samson comme un libérateur. Et il y a l'autre, ça fait pour ne pas couper les cheveux dans la tête. Pourquoi vous connaissez ça, Samson? Donc, ça me dit que j'ai la donne, c'est pas l'histoire Samson qui est dans les airs. C'est pour que le simple fait de parler mal au reste de la porte Samson, il y a un jeune déloyé. Il ne peut pas aller, il ne peut pas avoir le cœur à l'époque, il ne peut pas avoir le cœur qui faut, il ne peut pas avoir le bagage qui est éclairé, parce que le Seigneur s'est passé l'autre. Petite salle à côté à son petit spécial, donc il me met dans une vie spéciale. Donc si ça nous sommes allés dans nos chapeautés, il est devenu une vie spéciale, mais nous avons comparé propre vie par rapport à nous-mêmes qui portait mon Dieu, est-ce qu'on l'a même. Donc c'est ça que fait, que Bahaï nous dit, que Bahaï nous dit, nous t'es qu'à répondre, nous t'es qu'à faire la partie marché, que t'es respecté, nous nous venons d'acheter, est-ce qu'on l'a même. Mais nous sommes que nous sommes porteurs de Dieu, est-ce qu'on l'a même. C'est ça que vous songez dans la vie. Le fait de vous porter mon Dieu de moi, le fait de vous Dieu dans la vie, moi, je ne vais pas aller. Je vais en faire un service pour vous croire sur la même. Mais puisque vous portez mon Dieu de moi, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller avec le monde à cause de mon Dieu qui est dans moi. Et selon le son que vous avez fait, c'est pour qu'on ait des pimpotés, mon Dieu, de moi. Moi, c'est un monde qui est saint, qui est juste, qui est parfait. Moi, je suis capable de vivre une vie aimable. Moi, je suis capable de aimer le monde. Moi, je suis capable de respecter le monde. Moi, je suis capable d'encourager pour faire ça qui est bien. Moi, je suis capable de décourager pour faire ça qui est mal. Depuis que mon Dieu de moi, je suis un bienfaiteur. Moi, je suis un ambassadeur. Est-ce que la même? Depuis que mon Dieu de moi, c'est pour qu'on ait que Satan pas carré même. De ce fait, tout le monde qui est mon Satan, ne va pas rêver non plus. Donc, bien aimé, moi, je nous connais qui monde que nous y est. Nous portons mon Dieu dans la vie, nous sommes habitation, nous sommes demeure de Dieu. Maintenant, comme je ne vais pas quitter pour faire application, je pose une question pour nous. Est-ce que nous ne travaillons pas avec mon Dieu à partir de nous-mêmes? Est-ce que le voisinage nous connaît mon Dieu à partir de nous-mêmes? Est-ce que puis nos amis nous connaissent mon Dieu à partir de nous-mêmes? Réponds une question. Si nous avons connu mon Dieu à partir de nous-mêmes, il y a un fait, il n'y a pas d'affaire. Il y a un bagage à dire, il n'y a pas d'affaire. Et de côté la vérité, pas d'apérité. Donc maintenant maintenant pour vous devoir. Vous m'avez fait devoir et si vous pas fait, c'est pas pour vous obéir, c'est pour Dieu qui va essayer de obéir. Parce que c'est ça la Bible dit. Donc et ça le chapitre 3 verset 8, il dit lorsque nous pas apprécier, nous pas fait, ça bon Dieu maintenant vous servir dans lui, c'est bon Dieu qui va essayer de obéir. Devoir de Kounia, tout le monde nous rencontrer, c'est pour nous bailler, c'est pour nous empoisonner avec bon Dieu qui nous vit. Tout le monde que nous rencontrons, c'est pour nous bailler amour, c'est pour nous avoir sagesse, nous, c'est pour nous avoir humilité, nous, c'est pour nous trouver nous marque. Est-ce que la même qui n'a pas gagné le monde sous la terre, c'est seul le monde qui est bon Dieu qui a gagné. Donc c'est de voir ce que vous faites pendant toute vie pour que vous puissiez permettre à ce que le monde soit bon Dieu, pour nous prendre le bon Dieu. Parce que c'est ça que la Bible explique, oui, mais de vous dire, la Bible dit que ça peut nous-mêmes qui est bon Dieu de nous, n'a pas si mes odeurs de Christ partout où nous passons, pour nous prendre le sang de Jésus sur nous.
Donc, même la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas dans l'ordre corporel qui a vol, mais c'est dans les actes nous, c'est dans les paroles que nous avons dit à tous nous, c'est dans l'action que nous avons fait, c'est dans la façon que nous offrons pour l'amour, c'est dans le comportement nous. Il fait chaud, nous devons vous la caille, nous devons vous encourager. Non seulement à partir de jeudi, mais pour jusqu'à ce que Jésus est donné, chaque côté passé, pour faire pour nous Jésus à partir de nous-mêmes. Jésus-Christ a dit comme ça, si nous nous présentons, nous représentons sur la terre, nous représentons nous dans le monde. Donc si nous sommes d'accord pour nous passer, pour nous d'accord pour nous connaître son temple pour Dieu, nous garantissons dans nos lignes, Jésus-Christ a bien content pour nous présenter au Père Papa comme nous qui a accepté pour partager pour nous sur la terre. Que le Seigneur aide nous et nous réussir pour vivre dans notre temple et continuer. Amen. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons applaudir ce que bon Dieu vous dit. Ça c'est quand toi, français à la planète. Jésus.